Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les accessoires de canalisation. Les canalisations doivent être supportées, protégées, qu'elles soient rigides ou flexibles. Donc selon, on aura besoin par exemple de supports de canalisation qui vont permettre de maintenir le poids de la canalisation sur des grandes longueurs, c'est indispensable. Ces supports de canalisation vont pouvoir également retenir le flexible, la canalisation rigide par rapport à un emplacement précis sur l'équipement. On a également des passages de cloisons. Pour passer au travers de cloisons épaisses, on a des raccords spécifiques qui permettent d'adapter entre un milieu et un autre milieu. Ce sont les passages de cloisons. On a également par rapport au flexible besoin de protéger ceci par rapport aux agressions extérieures. Donc on prendra par exemple des gaines spiralées, des gaines plastiques qui vont faire le tour du flexible et qui vont limiter l'abrasion de celui-ci. On a également par rapport à un environnement extrêmement chaud, extrêmement dangereux par rapport à des flammes par exemple, la possibilité de mettre des gaines thermiques. Donc cela aussi, ce sont des accessoires de canalisation qui sont optionnels. Et puis, on notera au niveau sécurité, bien sûr, quelque chose que l'on préconise fortement sur les installations et notamment au niveau du passage des personnes, les gaines brisées et les câbles anti-fouet. Ce sont des accessoires de sécurité qu'il convient de placer sur vos flexibles lorsque le personnel est aux abords de l'installation en fonctionnement. Pour la propreté de vos canalisations, notamment les canalisations flexibles qui vont se désaccoupler, là où on a des coupleurs push-pull, on a la possibilité de mettre en accessoire des capuchons amovibles qui permettent de garantir la propreté des embouts raccord rapide type push-pull.